Donc, je vais te faire un petit retour sur la page après à peu près 7 ans d'utilisation. J'ai utilisé cette machine 7 ans. Je me suis bien éclaté avec, je ne me suis pas modéré. J'ai pas fait énormément de casse. Donc là, c'est cool parce que bah, pour le budget, c'est bien. Après 7 ans d'utilisation, sachant que j'avais un arceau dessus. Et que cet arceau avait forcément des conséquences sur la mécanique. Ou pas. Donc là, c'est pour te faire voir qu'il y a bien 7 ans d'utilisation sur la machine. Le châssis à la base, il est noir. Les triangles, moi j'aurais dit qu'ils encaissent. Parce qu'il y a quelques marques. Si tu regardes bien sur les triangles, je sais plus où elles sont. Et Dieu inventa le soleil. Il y a quelques marques quand même qui dit que ça a bien frotté. Et cette machine est en état. Tu vois. Toujours un peu dur, hein, parce que c'est les entrées de gamme de chez HPI. Ça, c'est le jeu déroulement. Toujours ce petit jeu. Et voilà. J'aime bien quand ça se pose. En casse. J'ai pas eu beaucoup de casse. J'ai utilisé ce châssis vachement longtemps. Les biellettes, rien à dire. Franchement, costaud. Je sais pas quand est-ce que ça casse. J'attends. Ça casse pas. Les différentiels, rien. Ah, ça y est, c'est cassé. Oh non. Si. C'est pas vrai. Si. Bon, bah non, j'ai mon coupable. C'est mon pignon d'attaque. Donc, bah, on change le pignon d'attaque et puis bah, on commence. Hein. Ouais, on va rajouter ça, un pignon d'attaque. Le cerveau de direction, j'en ai passé 3. À chaque fois que j'ai passé les 3 cerveaux de direction, j'ai eu 3 cartouches à l'avant. En gros, j'ai frappé plusieurs fois avec les véhicules. Alors, contre un truc qui ne s'arrête pas. Hein. Donc, du coup, je suis arrivé dessus. Tu pouvais que casser, tu ne pouvais pas faire autre chose. Le point fusible a été l'étrier. Donc, j'ai changé une fois l'étrier. Premier choc. Corne de cerveau cassée, le cerveau a lâché, j'ai changé le cerveau, j'ai recassé une deuxième fois, corne de cerveau à la lâcher, j'ai rechangé le cerveau, et le troisième c'était parce que j'étais sous la pluie, il n'était pas étanche, et j'avais fait le gros cochon avec un truc qui n'était pas étanche, donc je pouvais pas m'attendre à ce qu'il survive. Ça c'est pour les casques que j'ai fait à l'avant, j'ai eu aussi un gros shoot, j'ai tordu les cardans, j'étais obligé de remplacer les cardans, là pareil je suis retombé pleine face, pleine balle avec un saut monstrueux, je sais pas ce qui m'a pris ce jour-là, enfin bon. Ça c'est les casques que j'ai eu à l'avant. En casse à l'arrière, j'ai changé tout le bloc de différentiel parce que du coup mes roulements étaient morts, j'avais pas fait attention. Les roulements se sont foutus de travers, ça a bloqué la direction, ça m'a cassé le pignon qui lui a fait fusible. Et en fait, j'ai changé tout le bloc parce que du coup ça avait tellement chauffé que ça avait fondu. Et rien d'autre. Tout simplement, mis à part quelques pignons couronne avec l'usure, en gros j'ai passé 4 pignons sur cette machine et j'ai passé 2 couronnes. Ça, enfin, ça c'est la deuxième, elle est toujours en état. Ça, c'est le quatrième pignon, il est toujours en état. Donc, déjà pour 7 ans d'utilisation, c'est cool. Moi, franchement, c'est cool. Malgré que je sois tombé comme grosse loc, les tourelles, rien à dire. Mais faut pas oublier que j'avais aussi cet arceau que je m'étais fait au-dessus. Donc, je sais pas si ça a eu une incidence sur la solidité de la machine. Il y a aussi ces espèces de pare-chocs monstrueux. Là, tu peux pas casser l'arrière, hein. C'est pas possible avec ça. Tu vois, tu peux retomber comme tu veux, l'arrière, il protège grave. À l'avant, c'est pareil, c'est un espèce d'amorti. Tu peux toujours retomber comme ça sur la roue, mais jamais rien cassé quand je suis retombé sur la roue. Vraiment, quand j'ai cassé, c'est que j'ai pris quelque chose de dur, et ça pouvait faire que casser de toute façon. Voilà, ça c'est pour le petit retour sur le HPI. Maintenant, ce petit HPI, il est lourd d'origine. Sans déconner. Tiens, merde, j'ai dû peser. Pour te dire qu'il est quand même lourd d'origine, là il n'y a pas les batteries, il n'y a rien. Il y a l'eau. Et je suis à. Il fait 3,638 kg. Exactement. 3,638 kg. Ce qui est pas mal, hein. Tout seul dessus, j'ai été lui mettre un arceau
Là, tu te dis, il parle de l'arceau, je ne le montre pas. Non, je l'ai modifié, l'arceau. Je l'ai refait différemment. Je l'ai entièrement modifié. Donc, les parties blanches, c'est celles que je modifie, évidemment. J'avais ça au-dessus, à la base, qui tenait comme ça, qui tenait avec la carreau. J'avais pas l'avant. J'ai fait l'avant après, parce que du coup, la carreau a fini par céder. Donc, j'ai fait ça pour renforcer la carreau, pour qu'elle puisse tenir. Et j'avais juste le dessus qui tenait ici. Ce qui m'a fortement endommagé la suspension. Le support de carrosserie, il a fini par lâcher ici. Alors parce que du coup j'avais fait un triangle à la base qui était là, mais ça avait trop de flex. Tu vois, il a trop flexé. Et du coup, la carrosserie venait s'écraser au milieu et ça avait pété le pot de carreau que j'ai réparé en mettant deux petites caisses en alu. Juste dans la corne, hein, c'est pas la peine d'aller se prendre la tête à racheter. J'ai mis deux petites pièces et puis ça suffit. Pour ce que j'en faire toujours. Donc du coup, la différence avec l'arceau maintenant, c'est que j'ai rajouté cette partie basse qui va venir directement poser dans la baignoire. Donc là maintenant, impossible d'aller niquer les tourelles. C'est vraiment l'arceau qui prend tout dans la tronche. Ce qui va renforcer le véhicule. Donc, du coup, après 7 ans d'utilisation, j'estime encore faire 7 ans, ce serait bien ça. Et tu vois, t'as vraiment du flex, quoi. C'est une pose, c'est lui qui va tout encaisser. Ça va aller se bloquer dans le fond de la baignoire. Et c'est impeccable. Tu vas me dire le poids. Ah, il y a toujours un poids. Et bon, on va le peser l'arceau. Là, je vais te rapprocher. Pas que tu dises que je triche. Et cet arceau, je retiens pas, hein, ma confiance. Il fait 376 grammes. Ce qui est pas énorme, hein. C'est pas énorme du tout. Je pensais que j'étais vachement plus lourd parce que si tu prends juste un pack de batterie, moi je tourne avec deux packs de batterie pour te donner une ordre d'idée par rapport à l'arceau, rien que les batteries font quasiment 600 grammes. Donc je rajoute quasiment rien, quoi, 400 grammes sur la machine à peu près. Et après j'ai toute la solidité qui va avec. Forcément. Tu vois, tu ne vois plus. Donc, je vais te faire une pesée finale. Avec tout dedans. Et on a ce que tu vas tenir en équilibre. On a 4,4 kg. C'est balèze hein, pour un short course. Hop. Donc on a à peu près 4,4 kg en état de marche. Donc c'est relativement suffisant, un 4,4 kg, c'est un 4S. Il faut compter un S par kilo, donc la machine suffit largement. Et donc voilà, ça c'était les petites améliorations, du morceau. Et je pense que ça va être efficace. Je vais aller le tester tout tranquillou. Je vais remonter la carrosserie dessus, impeccable. Maintenant que je sais comment ça pèse. Et puis après, je vais aller faire un petit test pour aller m'éclater. Parce que c'est ça le but en fait, c'est de s'éclater. Tchuss. Ça vibre pas, c'est énorme.
Et ça marche. Oh, j'ai fumé, c'est le lampard. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, ça marche pas. Je te jure, je vais remettre le WPS. Voilà, 4. C'est ce que ça aurait dû faire dès le départ. Pourquoi ça n'a pas marché, hein? Ah bah, chute à l'arrière. Chute à l'arrière. Youhou. Oh la vache. Bon, moi, là, je pense que les poulets sont après dans la voiture. Arrête, bichon. Eh, dis donc. Non, bon. Ça fait pas vous quelque chose, peut-être. Oui, c'est bruit. Méchant. Eh ben, j'ai pas fait exprès. Ouais. D'habitude, la trajectoire, c'est pas ça. Oh putain. Ouais, ok. Là, c'est bien ça. Thank you.